Cette note d'Awa Bako Diabaté que nous allons ouvrir notre entretien du jour. C'était pas évident. Comme Dieu est tellement bon, Dieu sait que beaucoup souhaitaient ou ont souhaité que au moins on puisse s'entretenir aujourd'hui, même si demain, qui est pratiquement le dernier jour du mois de juin,
Même si on ne se voit pas et que le jour de la fête, on se voit, c'est bon, mais beaucoup avaient souhaité. Dieu a exaucé les prières et puis ceux qui ont voulu vraiment, ceux qui ont souhaité qu'on puisse avoir cet entretien avant la date, enfin avant cette grande fête musulmane qui approche à grands pas. Mais je voudrais d'abord, avant tout propos, rendre hommage et rendre toute la gloire à Dieu, lui qui a permis que nous soyons aujourd'hui unis encore, lui qui a permis à ces millions, voire ces milliards de musulmans à travers le monde de pouvoir jeûner, consacrer 30 jours pour le Seigneur sur 365 jours et un quart, ce n'est pas trop demandé. Et vous n'êtes pas sans savoir que au Mali, la canicule, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais il y a eu énormément de décès au Mali, beaucoup de décès, beaucoup pendant ce mois de jeûne, beaucoup de personnes sont mortes, même pas seulement au Mali, même au Sénégal. Vous avez entendu la mort de l'ancien Premier ministre, qui les repose en paix, ainsi que tous les saints de Dieu. Je ne saurais commencer mes propos sans demander à Allah d'accorder son pardon éternel, sa miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés. Que ce soit pendant ce mois de jeûne, que ce soit il y a des années, que ce soit des parents, des amis, des connaissances, des collègues, des voisins, des camarades, des époux, des épouses, des enfants, des petits-fils, des neveux, des frères, des cousins, des cousines. Que ceux qui nous ont quittés aujourd'hui, que Dieu accorde à chacun des illustres disparus la grâce de son pardon, la bonté de sa miséricorde, afin que là où ils sont couchés, qu'ils puissent trouver le repos éternel. Beaucoup sont partis. Pas plus tard qu'hier, on me disait que les morgues sont remplies au Mali. Et quand vous allez dans les hôpitaux, vous avez l'angoisse, la peur. La personne qu'on amène, est-ce que la personne pourra revenir à la maison? Évidemment, toute âme goûtera à la mort et nous appartenons tous au Dieu de la création, au Dieu unique. Nous sommes le fruit de sa création, l'œuvre de ses mains. Quand je dis ses mains, ce n'est pas des mains physiques, parce que c'est aussi un langage spirituel. Hein? Alors, faut pas les perdre encore, mon béni, ma mère, tu as dit Dieu à mes. Parce qu'ils sont tellement bêtes. Quand tu dis quelque chose, ils prennent dans le sens littéral. Ils ne cherchent même pas à comprendre la signification spirituelle. Et s'ils avaient dit, ah, il a dit ça. Ils veulent toujours prouver qu'ils ont raison. Je me rappelle encore, j'ai un de mes amis, un de mes petits, qui m'a dit que, il paraît qu'on ne doit pas dire, je bénis Dieu. J'ai dit, mais pourquoi il voudrait faire la translation, c'est-à-dire la traduction littérale du français en bambara? Il dit, pourquoi vous voulez faire ça? En Dieu, là, on dit quoi? Mais Allah faut, Allah barakada. Mais c'est la même chose quand il dit, je bénis Dieu. Ils veulent forcément, quand ils font les traductions littérales, tout de suite, là, on veut dire, ah, une fois, ça, Keïta n'a pas raison. Vous êtes tellement acharné sur Keïta, vous voulez tellement que Keïta se trompe, que l'essentiel même, vous passez à côté. Alors que Keïta dit, je suis établi par Dieu. Mais alors, vous dites, vous êtes musulman. Mais si je dis que je suis établi par Dieu et vous croyez que vous, simple être humain, vous allez prouver que moi, ce que je dis, que je me trompe, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Ou bien de quelle façon, de quel acte, je ne sais pas. Ou bien parce que je ne suis pas dans une mosquée avec un long chapelet, ou je n'ai pas une mosquée où il y a des millions de fidèles qui prient derrière moi, ou bien vous ne me voyez pas en train de prêcher. Donc, pour vous, quand je dis je suis établi par Dieu, vous avez du mal à accepter ça. Mais quand des petits marabouts, des petits là, se disant imam là, vous parlez, vous croyez à cela. Mais quand Keïta parle, vous avez du mal à accepter. Parce qu'il fait politique. Donc, quand il dit il est établi par Dieu, vous avez du mal à comprendre. Ça veut dire que vous n'avez rien compris encore dans cette affaire de Dieu là. Vous n'avez rien saisi.
la division sociale qu'il a organisée. Il y a eu des divisions avant Moïse. Mais la véritable division, selon la volonté de Dieu, a commencé avec qui ? Avec Moïse. Mais avant Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas une division sociale ? Il y avait une division sociale. Il y avait une organisation sociale. Vous n'avez qu'à regarder l'Égypte. L'Égypte où Moïse est né. L'Égypte où Moïse a été lui-même, il a grandi dans la cour royale. Avant Moïse, Joseph, que nous appelons Youssoufou, qui est aussi en Égypte aussi. Quand il entrait en Égypte, en captivité, en esclave, est-ce que l'Égypte n'était pas déjà hiérarchisée? Bien sûr, là où Abraham a quitté avant d'aller s'établir, est-ce que la terre des pères d'Abraham n'était pas déjà hiérarchisée? Bien entendu. Mais est-ce que la crainte et la connaissance de Dieu a commencé avec Abraham? C'est Abraham que Dieu a choisi. Alors, les gens, ils ont cette mauvaise manière de vouloir. Vous lisez le Coran en envers, vous ne connaissez même pas le Coran. Le Coran ne se lit pas de façon littérale. Le Coran se lit en esprit et en vérité. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu pour comprendre la vérité coranique, vous venez emmerder les gens. Si vous arrivez chez moi, je m'en fous qui vous êtes pour Keïta. Je vais vous recadrer. Parce que vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin d'être délivré. Vous êtes fermé dans votre petit monde. Vous ne comprenez rien à rien. Vous lisez et vous ne cherchez même pas à faire élévation d'esprit. Dieu est-il un être humain? Non. Dieu n'est pas un être humain. Mais alors, comment la parole de Dieu, Dieu qui n'est pas un être humain, vous pouvez comprendre la parole de Dieu si vous ne vous élevez pas en esprit pour comprendre Dieu lui-même qui est esprit. Mais si vous restez comme des êtres humains, dans la chair, dans la perversion, dans l'égarement, dans l'éloignement, dans l'ignorance, comment vous allez comprendre ce qui est spirituel? Vous n'allez rien saisir. Alors, vous croyez que vous êtes suffisamment adoubé, moi, pour venir me dire ce que j'ai à dire par rapport à Dieu? Je vous en prie, laissez ce débat-là, ne rentrez pas dedans. Sinon, je vais vous dépouiller et vous humilier. Vous ne connaissez pas? Taisez-vous. Moi, je ne suis pas... Comment vous le dites là? Je suis un passionné positif et non un passionné négatif. Alors, on continue. Donc, nous prions que Allah ait pitié de ceux qui nous ont précédés et que Dieu nous accorde sa faveur aussi et nous pardonne les erreurs et nos égarements. Parce que nous en commettons tous les jours. Que Dieu nous pardonne. Beaucoup de gens nous ont quittés ces temps-ci. Est-ce que c'est la chaleur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup sont partis. Alors qu'ils reposent en paix et que Dieu accorde à chacun d'eux la grâce de son pardon et qu'il nous accorde aussi la grâce de son pardon. Qu'il nous accorde la santé, la longévité dans la crainte et l'amour de Dieu. Alors, je ne savais pas si j'allais pouvoir faire une intervention aujourd'hui. Je remercie Dieu que je sois en mesure de le faire. Vous savez, quand je vous ai parlé d'Abouville hier, je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai présenté les enjeux. Pourquoi Abouville? Mais avant d'arriver à cela, au Mali, évidemment, nous sommes, il y a beaucoup de choses à dire, mais comme je l'ai dit, je vais certainement, après la fête qui, par la grâce de Dieu, ce sera après demain, on pourra faire un retour en arrière sur un certain nombre d'éléments. Et pour le moment, le Mali est sur le bon chemin. Et j'ai vu que, après, vous savez, quand Keïta dit qu'il est établi par Dieu, je vous en prie, détestez-moi, je m'en fous. Haïssez-moi, je m'en fous. Insultez-moi, je m'en fous.
parce que je sais que j'ai une mission qui est plus noble que votre rancune personnelle. J'ai une mission qui est plus noble que votre appréhension, votre médiocrité et votre malhonnêteté à reconnaître ce qui est vrai ou faux. Donc je m'en fous absolument de ceux qui pensent autre chose, parce que j'ai une mission qui est plus noble. La question d'Ousmane Sonko, rappelez-vous, il a fallu que je dise hier, ou du moins, il a fallu que le président Faye dise dans sa première déclaration qu'il a l'intention de travailler pour le retour des trois pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Ce qui, en réalité, ça n'engage que lui. C'est un président. Ce n'est pas parce qu'il est dans le parti politique PASTEF d'Ousmane Sonko, il était le secrétaire général, ce n'est pas parce qu'il est avec Ousmane Sonko que forcément, lui et Ousmane Sonko doivent être d'accord sur tous les éléments. Lui et Ousmane Sonko ne sont pas forcément obligés d'être d'accord. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le dynamisme d'une relation humaine. Si tout le monde est d'accord sur la même chose, la vie serait fade, amorphe. Elle serait nuisible. Elle serait nonchalante. La diversité d'opinions permet la vitalité dans toute relation. Et Ousmane Sonko, la première fois qu'il a parlé d'Assimi Goïta, où il a rendu hommage à Assimi Goïta et demandé à Assimi Goïta de rester digne dans la posture qu'il a choisie. Et quand vous regardez le discours de victoire de Faye, qui dit qu'il veut ramener Assimi et ses deux frères d'âme au sein de la CEDEAO, vous comprenez tout de suite qu'ils n'ont pas la même vision. Mais est-ce que cela veut dire que ces deux hommes qui ne peuvent pas travailler ensemble? Non. Si ces deux hommes-là étaient diamétralement opposés surtout, ces deux hommes-là ne seraient jamais membres du même parti politique. Ousmane président, Faye secrétaire général. Non. Ils peuvent ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais, ils sont d'accord sur l'essentiel. Le fait de ne pas être d'accord sur telle ou telle chose ne veut pas dire qu'ils sont forcément ennemis. Dans l'entretien qu'ils auront, ou quand ils auront à aborder ce sujet, lui en tant que président, Ousmane en tant que premier ministre, ils vont forcément trouver un terrain d'entente, ils vont forcément s'entendre. C'est pourquoi, si vous avez bien remarqué, lui qui a dit qu'il veut que nos États retournent au sein de la CEDEAO, il a pris le temps de souhaiter que nos États soient représentés à son investiture. Et lors de cette investiture, il n'a jamais mentionné, parce qu'il y a eu deux discours de ce monsieur. Il y a le discours de la victoire et il y a eu le discours de l'investiture. Le discours de la victoire n'est pas en tant que tel un discours officiel. C'est le discours d'un candidat qui est supposé être élu. Donc c'est un individu qui parle. Mais le discours de la prestation de serment, là, c'est le président de la République du Sénégal qui parle. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, il y a une dichotomie, il y a une distinction, il y a une différence entre les deux discours. Le discours du candidat qui est pressenti être vainqueur des élections, donc il ne parle qu'à son nom et au nom de son parti, au nom du projet qu'il a présenté. Mais il ne parle pas au nom du peuple sénégalais et non au nom de l'État du Sénégal, parce qu'il n'a pas prêté serment en tant que tel. Maintenant qu'il a prêté serment, le discours de la prestation de serment, il parle au nom du peuple sénégalais, au nom de l'État du Sénégal. La différence, vous la comprenez? Voilà. Donc, quand il a parlé officiellement au nom du Sénégal, et du peuple sénégalais, de l'État sénégalais, il n'a jamais dit dans ce discours-là qu'il souhaite que le Mali, le Niger, le Burkina reviennent au sein de la CEDEAO. Donc, l'homme, le candidat qui a gagné, ça a été une erreur de sa part. Il a compris que c'était pas ça.
Et pendant son discours d'investiture officiel au nom du peuple sénégalais, de l'État sénégalais, il n'a jamais mentionné cela. Alors, vous allez voir que les gens vont essayer d'interpréter, les gens vont essayer d'analyser, les gens vont essayer de faire, mais ne tombez pas dans le jeu. Ça ne marchera pas. Ne vous laissez pas berner, ça ne marchera pas. Ne vous laissez pas berner, ça ne marchera pas. Parce que les gens vont essayer d'utiliser cet élément-là contre le monsieur, contre Ousmane et Faye, et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ce petit discours de victoire, les gens vont essayer de s'appuyer là-dessus pour sortir toutes sortes de narratifs, essayant de retourner les uns contre les autres. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec la dame, la Mimi Touré ou bien quoi là. Bon, ils sont allés, ils ont discuté, je crois qu'ils se sont entendus, mais ça, on ne va pas revenir là-dessus, ça regarde le peuple sénégalais. Nous, ce qui nous regarde, c'est comment le gouvernement va agir et mettre en application son projet pour lequel il a été plébiscité. Alors, donc, je reviens. À Beauville, j'ai dit que à Beauville n'était pas un choix fortuit. Et vous avez vu qu'à Beauville, il y a eu des éléments clés dans l'intervention du président Laurent Gbagbo. Des éléments clés, des éléments essentiels. On ne va pas revenir sur la symbolique du choix d'à Beauville, mais que tous les observateurs de la scène politique ivoirienne se souviennent de l'histoire d'Agboville, qu'est-ce qu'Agboville a fait dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils comprendront aisément que le choix d'Agboville n'était pas un choix fortuit. Maintenant, c'est Agboville encore que Laurent Gbagbo a dit ouvertement devant le monde son admiration pour Assimi Goïta. Beaucoup de gens sont passés à côté, hein? Je vous en prie, écoutez. Le président Laurent Gbagbo a publiquement demandé à Assimi Goïta, au capitaine Traoré, est-ce que je suis en train de dire quelque chose? On dirait que je ne suis pas en train de parler. Vous n'êtes pas en train de partager. Moi, j'ai arrêté direct là pour aller me coucher. Parce que si vous ne partagez pas, moi, je vais arrêter pour aller me coucher. Gbagbo Laurent a fait quelque chose d'extraordinaire hier samedi. Alors, on est en train de dépoussiérer. On est en train d'étaler. On est en train de mettre sous les projecteurs les propos du président Laurent Gbagbo. Écoutez, si vous ne partagez pas, si vous ne faites pas monter le mercure, Keïta va dire merci beaucoup, à la prochaine. Il va couper son direct, il peut aller se coucher. Gbagbo a dit quelque chose. Gbagbo a parlé au président Assimi Goïta depuis à Beauville. Gbagbo a interpellé le président Tiani et le président Ibrahim. Il a dit quelque chose depuis à Beauville. À Keïta, Gbagbo a dit quoi? Vous êtes là? Ok. Gbagbo a dit quoi? Gbagbo a parlé où il a parlé? Attends, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Président Gbagbo, il faut parler ici. Où est ça? Oh là là. Ne soyez pas pressé, hein. Je vais vous faire écouter Laurent. Voilà, c'est ici. Écoutez, on va écouter ensemble. Hein. On va écouter le président Gbagbo. On a fait petit port. Aujourd'hui, j'ai trouvé les gens. Alors, tant que je n'étais pas passé au tribunal, je venais un peu. Je me dis, ah, quand tu es en train de faire, comme tu n'es pas dans la rue, peut-être que mes gendarmes, mes policiers, le militaire,
On va écouter. Le jour où il pourrait en tuer des gens en mon nom, et puis je ne suis pas au courant. Donc on va voir. Donc, pas tout le monde sous derrière lui. Bon, attendez. Hein. Tout à l'heure, ils ont essayé de couper mon direct. Je vous ai dit, je suis sous sanction au niveau de Facebook. Pour quelle raison? C'est ceux qui savent. Je suis la bête noire. Ils veulent couper le direct. Ils veulent couper. Quand ça commence à monter, quand l'algorithme commence à être bousculé, il y a la tentative de couper le direct. Donc, c'est attaqué. Si vous voulez, s'il coupe, on va aller tous se coucher. Mais vous pouvez empêcher ça, je vous ai dit. C'est le maximum de cœur. Bachelet vous le dit, pompez les cœurs. Il a écrit. Bachelet a écrit, il a épinglé ça. Pompez les cœurs. Pompez. Pompez et n'arrêtez pas de pomper. Partagez jusqu'à ce que vous soyez incapable de partager. Ça, là, ils ne veulent pas savoir. Parce qu'ils savent qu'il y a des éléments quand Keïta commence à décortiquer. Ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez ailleurs. Ici, c'est la crème des crèmes. C'est le haut de gamme, c'est le dernier cri. Après, ici, il n'y a plus rien. Donc, écoutez, je vous en prie. On va continuer. Il n'y a rien au pays. Il est en face. Je ne vous en prie, ne vous inquiétez pas. Je vais me trouver en prison. On va discuter, je vais vous donner les faits. Ils m'ont trouvé. Je vais vous donner les faits. Je dis, ils ont dit, donc on va gagner du coaching. C'est ça, on va gagner du coaching. On est la grande victoire. Des histoires sans parler de paix. Bon. Alors, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est de me garder longtemps pour que ici, on puisse finir de combattre. La justice même ne se réunissait pas toujours. On a commencé. On va écouter. On a arrêté en 2011. 2011, on a commencé le procès en 2016. J'étais là-bas comme ça. Là-bas, il fallait perdre le temps. Il fallait me garder. Il fallait me garder. Ça, c'est pas grave. Mais on va faire le procès, on va aller jusqu'au bout. Parce que ici à Beauville, il a parlé de la BCAO. Ici à Beauville, je voudrais que, Bachili, j'espère que tu te rappelles, j'ai toujours demandé au président Goïta, j'ai même réitéré la même demande au général Tiani, lorsque l'UMOA a sanctionné le Niger, j'ai demandé, j'ai dit le président Laurent Gbagbo, quand il a été mis sous sanction par la BCAO et l'UMOA, il a nationalisé les banques en Côte d'Ivoire. Quand il a nationalisé, c'est avec l'argent là, de ces banques-là qu'il a payé le salaire des Ivoiriens. Gbagbo Laurent n'était pas un militaire. Mais Gbagbo Laurent est allé plus loin que nos militaires. Il a eu le courage de nationaliser les banques de la BCAO en Côte d'Ivoire. Et ici, Laurent Gbagbo revient encore sur ses propos. Il dit qu'il a quitté la BCAO, il a quitté Dakar. Laurent Gbagbo revient, il dit quoi encore? Il dit le Mali, le Niger, le Burkina, il lance un appel et un conseil d'un aîné à ses jeunes frères. Je ne sais pas trop entre lui et le général Tiani qui est plus âgé, mais sur le plan de l'exercice du pouvoir,
il est le doyen des trois. Et là, il leur dit, n'allez plus à Dakar. Quand il dit n'allez plus à Dakar, ce n'est pas que nous avons un problème avec la République du Sénégal. Non, quand il dit n'allez plus à Dakar, Dakar est le symbole de la France-Afrique à travers le franc CFA. C'est pourquoi, lorsque Ousmane Sonko veut renégocier les accords du franc colonial, nous sommes contents. Mais je vous le jure, chaque jour que je me réveille, je prie Dieu pour la vie du président Faye et pour la vie du premier ministre Sonko. N'oubliez pas que c'est à Dakar que se trouve le siège de la BCAO, le siège de la France-Afrique monétaire, c'est à Dakar. Et chaque fois que je me réveille, je crains pour la vie d'Ousmane Sonko et du président Faye. Parce que s'ils vont jusqu'au bout de leur logique de la souveraineté monétaire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, il n'y aura pas un coup d'État au Sénégal? Est-ce que la France n'ira pas jusqu'à orchestrer un coup d'État au Sénégal? Parce que là, les gens ne voient pas ça venir. Les gens s'amusent. Si le Sénégal dit non au franc CFA, c'est terminé. Il n'y a plus d'écho, il n'y a plus rien. C'est terminé. La Côte d'Ivoire ne peut rien. Alors, les enjeux aujourd'hui au Sénégal sont plus énormes que quand le Mali décide de quitter ou le Niger décide de partir ou le Burkina. Le Sénégal, c'est plus dangereux. Ce n'est pas tout. La France a une base militaire bien installée. Et je vais vous dire, le conseil que je vais donner à Ousmane Sonko et à Faye, c'est d'abord un d'arrêter de sous-traiter les renseignements militaires, les renseignements, je dirais peut-être civils, je vais revenir en arrière. S'il y a des Sénégalais qui sont connectés, je commence à comprendre pourquoi Dieu a fait tout pour que je puisse sortir ce soir, parce que je ne comprenais pas trop moi-même. Ce que j'avais à faire, curieusement, le travail était tellement balèze que ça a été fait en un temps record, sans souci, sans fatigue, sans, je sais pas, je l'ai fini, j'étais étonné. Parce que je pouvais pas finir et puis sortir. Mais j'ai fini. Et tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Des heures avant même que je puisse. J'ai dit, bon, Babou a parlé de CFA. On va parler du CFA. Mais en réalité, Babou n'est qu'un élément, un catalyseur. C'est maintenant que je vous parle que je comprends. Parce que très souvent, quand je vous parle de certaines choses, ne croyez pas que on s'assoit, je m'assois et puis je prépare, je prends un bic, je commence à griffonner les choses, je sors et puis je vais vous parler. Non. C'est dans le feu de l'action souvent que je reçois, moi, en ce qui me concerne, ma révélation. C'est là que je comprends que Babou Laurent n'a été que l'élément de départ, mais la finalité. Je pensais que c'était encore l'AES qui était la finalité, mais je me rends compte que ce n'est pas l'AES, c'est plutôt Ousmane Sonko et le président Faye. C'est maintenant que je parle et puis je reçois cette requête. C'est eux qui sont plus en danger qu'Assimi Goïta, que le capitaine Traoré ou le général Tiani. C'est eux qui sont menacés aujourd'hui. Mais la menace, elle est encore souterraine. La France est en train de préparer quelque chose de façon souterraine. C'est pourquoi quand Keïta sort, quelqu'un aime le dire, la bête noire de l'Occident, la bête noire de la France-Afrique, c'est Keïta. Moi, j'aime bien ma chérie Nathalie quand elle parle beaucoup. Souvent, elle touche certaines réalités. Il y a un véritable danger qui est là. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'état militaire. Mais il y a une probabilité
que le mandat du président Faye soit perturbé. Si le Sénégal ne se lève pas pour faire un, comme le peuple malien a fait un avec Assimi Goïta et la transition, comme le peuple burkinabé a fait un avec le capitaine Traoré et la transition, comme le peuple nigérien a fait un avec le général Tiani et la transition. Si le peuple du Sénégal ne se lève pas pour devenir un avec le président Sonko et le président de la République Faye, pour ne pas frustrer les uns et les autres, si le peuple sénégalais, je reprends, ne se lève pas pour devenir un avec le premier ministre Sonko, pour devenir un avec le président Faye, je vous jure qu'il y aura un coup d'État au Sénégal. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il est bien assis, fondamentalement bien assis, et qui est dans le secret des cieux, mieux que moi, que ce que je reçois, que c'est un jeu, je vous en prie. Même Christian Yapi n'est pas dans cette révélation. Il est petit ici. Ce que je vous donne, jetez ça comme vous voulez. Je prie Allah, en ces derniers instants de ce mois de jeûne, je prie Allah que je sois dans le faux. Je prie Allah que je me trompe. Je souhaite que je me trompe. Je souhaite que je me trompe. Et ma plus grande, je vous jure, j'ai peur. Et c'est rare que Keïta dise qu'il a peur. Vous me connaissez. J'ai peur pour le président Faye et pour le premier ministre Sonko. Si vous croyez que je cherche de la visibilité à cause de Dieu, ne partagez pas. Si vous pensez que je cherche de la visibilité à cause de tout ce qui m'est cher, si vous croyez que je cherche la visibilité et que si vous partagez ma vidéo, je ne vous pardonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Si vous croyez que je cherche la visibilité et vous partagez ma vidéo, que Dieu vous condamne. Je ne cherche pas la visibilité. Je sais de quoi je parle. Là où je suis assis, seul Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, peut me détrôner. Aucun être humain issu d'un homme et d'une femme, vous ne pourrez pas me détrôner. Et ce que je dis, ce n'est pas un jeu. Et Ousmane Sonko sait très bien de quoi je parle. Vous n'avez qu'à regarder qui a été nommé ministre de la Défense, qui a été nommé ministre de l'Intérieur. C'est des hommes que je ne connais pas. C'est des personnes que je ne connais pas. Les deux généraux qui ont été nommés, je ne les connais même pas. Je ne suis jamais allé au Sénégal. Mais ces deux choix-là confirment la crainte que j'ai. La nomination du général en tant que ministre de la Défense confirme les craintes que j'ai. Et je demande au président Faye de changer le directeur du renseignement sénégalais. Je répète, je demande au président Faye de démettre de ses fonctions le directeur du renseignement. Le renseignement intérieur et le renseignement militaire. Avant de continuer avec mon direct, s'il y a des Sénégalais ici, et si vous ne faites pas en sorte que le président Sonko, peut-être qu'il est avisé à ce niveau, je demande que le directeur du renseignement sénégalais soit démis de ses fonctions. Les deux. Il y a, dans le monde du renseignement, il y a beaucoup de types de renseignements, mais il y a trois généralement que moi je connais. Le renseignement militaire, le renseignement, je peux dire, civil, et il y a un autre renseignement qui est rattaché à la présidence. Et en général, le renseignement qui est rattaché à la présidence fait la coordination entre le renseignement qui est géré par le ministère de l'Intérieur et le renseignement qui est géré par le ministère de la Défense. Donc, il y en a même qui se donnent le plaisir d'avoir un service de renseignement au niveau de la primature. C'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Normalement, il y a trois services clés de renseignement. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et la Présidence. En réalité, le renseignement de la Présidence sert de coordination entre le ministère
de l'Intérieur, le renseignement du ministère de l'Intérieur et le renseignement du ministère de la Défense. C'est à ce niveau que on dit que c'est le ministère, enfin le renseignement de la présence fait le tri, la collecte, la vérification et remonte l'information au niveau de la cellule de crise, ce qu'on appelle le Conseil de sécurité, le Conseil national de sécurité. Tous les pays du monde ont leur propre Conseil national de sécurité. Et le Conseil national de sécurité est présidé par le président de la République. Alors, l'information, le renseignement militaire, le renseignement au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a la collecte des données au niveau de la présidence. Donc, ce sont ces différentes données qui sont remontées au niveau du Conseil national de la sécurité. Et c'est à cela que le président est briefé sur les menaces imminentes contre l'État. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne le Sénégal, je demande au président Sonko de démettre l'ancien directeur général du renseignement au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense et de la Présidence, et celui qui est chargé de collecter les informations au niveau du Conseil national de sécurité. Il faut démettre toutes ces personnes-là de leurs fonctions et reprendre en main le renseignement au niveau du Sénégal et arrêter de sous-traiter le renseignement et avec la CIA et avec la DGSE. Parce que tant que la DGSE sera impliquée dans le renseignement sénégalais, les coups d'État seront prévisibles au Sénégal. Il y aura un coup d'État forcé. Parce que aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y a pas un service de renseignement? Les Américains sont au Sénégal. Et aujourd'hui, la plus grande crainte de l'Union européenne au niveau de la pêche. Parce que le Sénégal veut renégocier tous ces secteurs-là, la pêche. Et la pêche, c'est la famine en Europe. L'Europe vient voler les poissons au large de Dakar. Et le président Faye, il dit désormais les thoniers, les bateaux de pêche de l'Union européenne devront rester à 20 km des côtes sénégalaises. 20 km. Ça va poser un problème à l'Union européenne qui donnait l'argent gratuitement à Macky Sall, qui en pochait. Cet argent n'a jamais servi les pêcheurs sénégalais. Il y avait une compensation que l'Union européenne, c'est des milliards que l'Union européenne versait à l'État sénégalais pour dédommager les pêcheurs sénégalais. Parce que les bateaux de l'Union européenne venaient pêcher au large même des côtes sénégalaises. Mais où est parti cet argent? Macky Sall peut... Où est parti cet argent? Que Macky Sall justifie cet argent. Je vous ai dit que quand vous ne voulez pas faire quelque chose et Dieu vous incite à sortir, vous n'êtes plus maître de ce que vous dites. C'est Dieu lui-même qui vous conseille. C'est Dieu lui-même qui met ces choses-là dans votre bouche, dans votre esprit, et puis vous devenez un canal pour les véhiculer. Que quelqu'un vienne s'arrêter de « non, on n'est pas dans « non. Nous, on est assis posé et puis on parle. Et personne ne peut, je dis toujours, dans ce domaine-là, je suis bon. On ne peut pas me damer le pied ici. Parce que je suis établi par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ce que vous croyez, je m'en fous. Que vous ne croyez pas, je m'en fous. Vous n'avez qu'à regarder ce qui sort de ma bouche. Si c'est comparable à ce que vous entendez, woyo waya, à côté, venez. Je suis attaqué, ça je le sais, le direct est attaqué. C'est pourquoi vous devrez redoubler d'efforts par les pouces bleus et les cœurs pour sécuriser le direct. Je continue. L'Union européenne déversait de l'argent depuis des dizaines d'années à Macky Sall. Où est parti cet argent? C'est des milliards de nos francs qui ont été déversés dans les caisses de l'État. Personne n'a vu. Les Sénégalais, j'ai entendu des pêcheurs sénégalais
qui aujourd'hui vivent dans la disette, dans la précarité la plus absolue. Il dit, c'est ce qui explique que beaucoup de jeunes gens sénégalais aujourd'hui s'embarquent dans des embarcations de fortune pour tenter de traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Les Européens ont du mal à comprendre toutes ces subventions, tout cet argent qu'ils donnent de gauche à droite, on ne voit pas l'impact de leur investissement direct sur la vie de ces jeunes gens-là. Parce qu'on a des élites voleurs, crasseux, corrompus, tels que Macky Sall, sa famille, toutes ces cliques et ces claques qui ont pillé et volé l'argent du Sénégal. Ce n'est pas tout. Le franc CFA dont parle Laurent Gbagbo, il dit que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, le risque d'un soulèvement, si vous croyez que Ousmane Sonko, premier ministre, va s'asseoir confortablement dans son fauteuil de premier ministre et ne pas connaître les soubresauts, ne pas connaître les tumultuades, les violences, c'est que vous n'avez rien compris encore de la politique occidentale qui a tendance à vouloir nous déstabiliser. Ousmane Sonko sait, c'est pas qu'il est assis dans un fauteuil éjectable, non. Il sait que sa vie désormais, Ousmane Sonko, il a décidé désormais de sacrifier sa vie pour la cause du Sénégal. Parce que quand ils vont commencer les réformes, j'ai vos yeux que vous allez voir la France a activé ses réseaux au Sénégal. Parce que Macky a laissé le temps à plein d'ONG venir s'installer au Sénégal. Le Mali a commencé à décapiter les ONG de déstabilisation. Le Mali a commencé, Assimi Goïta a commencé à démembrer, démanteler et chasser tous les déstabilisateurs tapis dans l'ombre des ONG. Dieu seul sait combien d'ONG vivent au Sénégal. Au Mali, il y a au total 37 000 ONG. Vous avez bien compris. 37 000 ONG. Et sur les 37 000, il n'y a seulement qu'une petite poignée qui sont régularisées, c'est-à-dire qui vivent selon la législation malienne. Donc, plus de 30 et quelques mille, je peux dire, sur les 37 000, il y a encore 37 000 qui exercent illégalement au Mali. Il a dit tout récemment au Mali, le gouvernement malien a bloqué une aide soi-disant de près de 60 millions d'euros, à peu près 4 milliards de nos francs. Et ils regardent à quoi va servir ces 4 milliards de nos francs. Ils se rendent compte que l'ONG en question exerce illégalement au Mali et a des ramifications avec les chefs terroristes qui déstabilisent le nord du Mali. Et l'argent là venait où ? Venait de l'Union européenne. Les 60 millions d'euros. Le Mali a dit non et le Mali a refusé. Aujourd'hui, je demande à Ousmane Sonko. Nous, aujourd'hui, on a une expertise là-dedans. On est bien doué aujourd'hui. Et on sait comment démanteler ces réseaux. Sinon, comment le Mali peut savoir qu'il y a plus de 37 000 ONG au Mali? Je dis, mais je n'ai pas de 37. Je n'ai pas de 3500. Je dis 37 000 ONG au Mali. 37 000 ONG. On va faire quoi avec ça? Comment un pays comme ça, avec tous ces éléments-là, 37 000 ONG, vous croyez que le Mali va s'en sortir? Le Mali va aller où avec ça? Alors quand les gens sortent et puis disent organiser élection, mais les 37 000 ONG tapis dans l'ombre sont prêts à pistonner et sortir, pousser des jeunes gens avec des miettes qu'on va leur donner de protester et de contester. Mais ils ont compris qu'il y a des gens au Mali, pas seulement le président Assimi Goïta, pas seulement le ministre de la Défense Sadio Camara, pas seulement le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, pas seulement le premier ministre Chogal Kokala Maïga, pas seulement le ministre des Affaires étrangères ou le président de CNT, mais il y a encore des gens au Mali, en l'occurrence, en première ligne, Cheikh Mar Keïta. Ils savent que quand nous, on est saisis de leurs activités, on sort avec une violence que vous ne pouvez imaginer. Et le gouvernement malien, on donne
la possibilité. On donne à l'État du Mali la force de frapper ces ONG-là et de les extirper, les jeter hors de notre territoire. Nous donnons les armes à l'État pour les foutre dehors. Et Cheikh Macky Tiaa fait partie de ceux qui donnent les armes à l'État du Mali pour foutre dehors tous les fauteurs de troupes. Ils le savent, c'est pourquoi ils nous attaquent au quotidien dans nos interventions. C'est pourquoi une fois de plus, c'est pourquoi deux fois de plus, c'est pourquoi trois fois de plus, peuple du Sénégal, je vous en prie, parlez à Ousmane Sonko, au président Faye. Il y a des jours sombres qui arrivent au Sénégal. Je ne suis pas alarmiste, je suis réaliste. Parce qu'ils vont toucher aux intérêts, aux fruits défendus. La France-Afrique, le berceau de la France-Afrique, c'est le Sénégal, c'est le Gabon. Pourquoi le procès de Ali Bongo jusqu'à aujourd'hui ne peut aller quelque part? Qui vous croyez qui a appelé pour dire arrêtez-moi ce cinéma? C'est la France-Afrique. Pourquoi Ouattara ne peut pas se passer de Macron? Qui a financé à hauteur de 1000 milliards ce soi-disant métro d'Abidjan? Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. On ne sait pas à quoi ça avance. Mais 1000 milliards ont été donnés. Où est parti tout cet argent? Mon frère, il n'y a pas fait d'arrondir à 40 milliards. C'est 40 milliards. Il a arrondi à 40 milliards. C'est pas 40 milliards. C'est plus que ça même d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on nous a dit officiellement. Et ce qu'on n'a pas dit officiellement. Est-ce qu'on peut savoir? Hein? Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est ce que l'État a saisi. Et ce qui passe dans le dos de l'État. Ce qui passe par l'Algérie. Ce qui passe par la Mauritanie. Ce qui passait encore il y a un temps par le Niger. Dont on ne savait pas. C'est parce qu'aujourd'hui que tout est bloqué. Le Niger a bloqué qu'on a pu voir ça. Et ce qui passe par l'Algérie et qu'on n'arrive pas à voir, c'est pas plus de 40 milliards. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Ils financent pour que notre pays soit déstabilisé. Mais alors, où se trouve la banque centrale de l'UMOA? La banque centrale du franc CFA, ça se trouve où? À Dakar, au Sénégal. Donc imaginez que le Sénégal décide de sortir du franc CFA, alors que c'est à Dakar que se trouve le siège du franc CFA. Vous croyez réellement que la France va permettre cela, que la France-Afrique ne fera rien pour perturber le programme, le projet PASTEF? Réfléchissons un peu, analysons ensemble un peu, comprenons un peu. Vous croyez réellement qu'ils n'y vont pas, qu'ils vont rester bras croisés, regarder le président Faye et le premier ministre Sonko réaliser leur projet pour le bien-être du peuple sénégalais sans que la France ne se lève? Pourquoi croyez-vous que dès le premier jour, pendant la prestation du serment du président Faye, la Banque mondiale négociait déjà un premier rendez-vous avec le président? Pourquoi? Je vous l'ai dit hier. Pourquoi la Banque mondiale était là-bas? La même Banque mondiale qui est venue négocier avec Assimi Goïta avant-hier. La Banque mondiale qui est passée au Burkina Faso. La même banque mondiale, qui allait demander pardon au Niger. On nous dit que nous sommes pauvres, mais on est incapable de nous laisser tranquilles. Mais pourquoi dans notre pauvreté, vous insistez à nous donner crédit? Vous insistez à, selon vous, aide budgétaire, aide au développement. Alors qu'on vous dit qu'on n'a plus besoin de tout ça. Mais vous êtes toujours dans notre dos. Ma chérie, je ne t'aime pas. Tu es vilaine. Tu es noire. Tu as gros nez. Tu as cheveux crépus. Elle dit, je suis d'accord tout ça. Elle trouve quelqu'un d'autre qui dit, oh, voilà la femme que je veux. Véritable femme africaine. Voilà, tu as toutes les qualités de la femme africaine dont je veux. Et maintenant, toi, tu reviens, tu dis, tu ne veux pas la laisser. Alors qu'elle a déjà trouvé quelqu'un. Maintenant, tout ce que tu as dit sur elle, elle dit, elle est d'accord avec elle, ce n'est pas plein. Maintenant, quelqu'un d'autre trouve ces qualités-là extraordinaires. Et dès que tu vois ça, tu deviens fou.
tu peux pas. Maintenant là, tu vas dormir derrière la clôture. Toujours c'est toi qui deviens, on dirait, perroquet. Tu tisses ton cou seulement pour voir. Elle assise, elle est en train de boiter avec son nouveau un chouchou qui est là, qui a déjà payé la dot, qui va la prendre pour la déposer chez lui. Maintenant, toi, tu es là, dans la journée, tu es couché, tu es caché derrière les arbres, sous le soleil, dans la poussière, tu regardes la porte, qui va rentrer, qui va sortir. Elle a déjà fini avec toi, elle a tourné le chapitre, mais tu es incapable de la laisser. C'est la même histoire que nous vivons avec ces gens-là. Ils nous traitent de tout, de pauvres, de mendiants, d'idiots, d'animaux, mais ils sont incapables de nous laisser. Comme l'a dit un pêcheur sénégalais, vous ne voulez pas nos enfants chez vous, mais vous voulez nos poissons dans vos assiettes. Voilà la réalité. Vous ne voulez pas voir des Nigériens chez vous, mais vous voulez le courant du Niger chez vous. Vous ne voulez pas voir des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens chez vous, mais vous voulez notre café, notre cacao, notre pétrole, notre gaz. Vous voulez, nous, notre richesse naturelle chez vous. Quelle contradiction. Vous ne nous aimez pas, mais vous aimez ce qui vient de chez nous. Et Ousmane Sonko, ils disent, on va renégocier le CFA. Mais avec qui tu vas renégocier le CFA? D'accord, puisque la Banque centrale se trouve au Sénégal, donc la négociation sera facile. Il faut maintenant appeler... Qui est le gouverneur de la Banque centrale? C'est un Ivoirien, c'est Jean-Claude Brou, l'ancien président de la commission de la CEDEAO, c'est Luc Alassane Ouattara nommé. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui nomme le gouverneur de la BCAO. Alors, comment ils vont procéder s'ils convoquent les pays de l'UMOA pour discuter et que Macron dit à Alassane Ouattara, tu es venu me demander ton quatrième mandat, je ne voulais pas te donner ton quatrième mandat, maintenant je suis prêt à te donner ton quatrième mandat, mais les enfants là, il faut les empêcher de toucher au franc CFA. Parce que là, c'est pourquoi les gens de la géopolitique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand Ouattara pleure derrière Macron et que Macron ne veut pas, voilà des circonstances. Et Ouattara dit, toi Macron, je ne suis pas pressé, je t'attends. En même temps que Ouattara est déçu parce qu'il a donné il a donné près de 7 millions d'euros pour financer la campagne de l'autre. Il dit, ah, je n'ai pas quand même tout perdu. C'est vrai que mon candidat n'a pas gagné, mais quand je regarde le programme de gouvernement, le projet de société du président Pastef, j'ai une porte de sortie avec Macron. Certes, quand Chris Chappé nous dit Alassane Ouattara a donné 7 millions d'euros, mais ce que Chris Chappé ne sait pas, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a donné, c'est la France qui a financé. Et comme Macky Sall était observé de loin, tous les faits et gestes, rien ne pouvait venir dans sa main directement. Donc on fait transiter l'argent par la Côte d'Ivoire et puis on envoie au Sénégal. Ouattara a toujours financé les campagnes des présidents, hein, ça ne serait pas surpris. Il a financé la campagne de Jinping au Gabon, on a vu. Il a toujours fait ça. Et il dit à son maître, je crois en telle personne, la France envoie l'argent. Alassane, sinon Alassane Ouattara prend l'argent et puis donner. Vous n'allez jamais voir ça. On lui donne, il donne. Donc, Alassane Ouattara dit à Macron, attention, si je ne suis pas là pour surveiller les enfants, ça va être compliqué. Les enfants, là, ils veulent toucher au franc CFA. Les enfants, là, ils sont têtus. Les enfants, là, ils sont comme les assimilés. Ils vont seront compliqués. Donc, il faut qu'on soit là pour les empêcher. Si tu m'enlèves là, qui va bloquer? Parce que moi, je suis capable de violer la loi et puis je m'en fous. Je viole la loi, je viole les tests, je m'assois et puis j'assume. Mais qui peut faire ça? Si on les laisse et qu'ils s'associent à Assimi Goïta, c'est fini pour le franc CFA. Sur 7 pays, il y a 3 qui sont déjà sortis, ça reste 4. Et un pays de poids, le Sénégal se retire, ça fait 4 contre 3. C'est fini, le CFA est mort. Si le Sénégal sort, c'est fini, il n'y a plus de CFA, c'est terminé. C'est terminé. Alors, donc Alassane Ouattara vient de trouver sa porte de sortie. Alassane Ouattara vient de trouver sa raison d'être adoubé pour un quatrième mandat. Moi, j'ai dit pour moi, asseyons-nous et puis regardons. Si c'est vrai ou faux, asseyons-nous et puis regardons. Vous allez voir tout de suite que la France va adouber la candidature. Pourquoi la France a adoubé la candidature de Diby? Pourquoi la France a adoubé la candidature
disons, la présence du général vendant de drogue, brigand criminel au Gabon. Alors, vous croyez que c'est la France qui aura un problème pour doubler la quatrième candidature d'Alassane Ouattara à un quatrième mandat? Alors que les jeunes gens au Sénégal, ils veulent renégocier le franc CFA. Alors que là, tel que le franc CFA a été négocié, et la transition du franc CFA à l'écho, tel que négocié par Emmanuel Macron. Si vous voyez que jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'écho a du mal pour démarrer, c'est parce que, tel que présenté par Alassane Ouattara, les pays de l'UMOA ne sont pas intéressés. Ça a été signé, mais personne n'est intéressé. Et la CEDEAO ne veut pas. Donc, ils veulent revenir et puis renégocier tous les points clés. Ils ne veulent pas de l'écho. Alors que l'écho, jusqu'à présent, la parité donne une marge de manœuvre. Vous savez, la parité du franc CFA, je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez bien. De la même manière que les Américains ont obligé le monde à accepter le dollar comme la monnaie internationale d'échange, la monnaie internationale du commerce, ça fait que c'est le monde entier qui finance et qui paye la dette des États-Unis sans se rendre compte. C'est aussi simple que ça. Et la France a appliqué le même système des Américains. Les Américains ont élargi le dollar au niveau du monde. La France a copié exactement le même système, le même modèle américain, mais la France l'a adapté à 14 pays africains. Il allait plus loin, elle allait plus loin, autant pour moi, la France, elle allait plus loin. Au lieu que le franc CFA soit la même monnaie avec la même valeur entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, la France s'est arrangée pour faire en sorte que le taux d'échange entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, c'est pas la même chose. Le même franc CFA que vous prenez ici, si vous allez au Cameroun, vous n'allez pas lui manger. Non. Il faut l'échanger au franc CFA de la CEMAC ou bien quoi la même. De la CEMAC pour pouvoir l'utiliser. Leur franc CFA, tu prends chez eux, tu viens avec ici, chez nous, ça ne passera pas. Ça, c'est la France. Et là, les pays africains n'ont pas vu le mal en cela. Et Alassane Ouattara nous maintient toujours parce que lui, il a besoin de la France comme c'est un vieux ingrat, irresponsable et inconscient. Tant que ça marche pour lui, les autres, c'est pas son problème. Un vieillard de son âge, de plus de 82 ans, qui sacrifie l'avenir des jeunes gens pour son intérêt personnel. Je me demande bien ce que Dieu va faire avec ce vieillard irresponsable et idiot en même temps. Alors, pour revenir encore, Laurent Gbagbo dit, trois pays sont sortis. Ce n'est pas fini. D'autres pays vont suivre. En le parlant, il faisait allusion au Sénégal. Parce que le franc CFA n'est pas bon. Le franc CFA n'est pas bon. Il dit, le franc CFA n'est pas bon. Tu veux mon direct là. Donc, le franc CFA n'est pas bon. Le franc CFA, ce n'est pas bon. J'insiste, le franc CFA, ce n'est pas bon. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit, le capitaine Traoré l'a compris. Le général Tiani l'a compris. Assimi Goïta l'a compris. Et aujourd'hui, Dieu merci, le président du Sénégal l'a compris parce que le projet PASTEF remet en cause le franc CFA. Alors là où nous, on s'inquiète. Moi, je suis vent debout. Je me bats pour la sortie de nos États du franc CFA. Aujourd'hui, je sais que la France, il n'y a pas. C'est-à-dire, je ne vois même pas comment la France peut passer pour venir nous dérouter ou nous déstabiliser au Mali, au Burkina ou au Niger. Mais contrairement au Sénégal, le Sénégal aujourd'hui a une politique beaucoup perméable. Nous, on a pris le temps de colmater les brèches chez nous. On a pris le temps de fermer les brèches chez nous. On a pris le temps d'asseoir la politique nationale de nos différentes transitions chez nous. Même le Niger, qui est le dernier en date, a pris le temps de bien colmater tout, dans tous les cas. Pourquoi le Niger a chassé les États-Unis? Alors, pour que le Sénégal puisse
appliquer valablement son programme monétaire, sa souveraineté monétaire. Il y a un élément fondamental parce que les Français même ne le cachent pas. Ils sont assis et ils attendent le Sénégal. Parce qu'ils ont peur. La plus grande base militaire aujourd'hui, c'est au Sénégal. Mais pourquoi au Sénégal? Pour protéger leurs intérêts par rapport à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la BCAO. Vous croyez que l'armée française est au Sénégal, pourquoi? C'est pour préserver les intérêts français, des entreprises françaises et de l'investissement français. Et la BCAO est la machine répressive néocoloniale de la France pour dominer et assujettir les États. Donc, l'armée française à Dakar veille à ce que la BCAO fonctionne conformément aux diligences de l'Élysée. Pour que Ousmane Sonko, pour que le président Faye réussisse son programme, il faut d'abord se débarrasser de l'armée française à Dakar. Il faut demander le départ coordonné de l'armée française de Dakar. Tant que l'armée française va rester à Dakar, s'ils veulent entreprendre les réformes économiques et les réformes monétaires pour la souveraineté monétaire du Sénégal, je ne donne pas cher la peau du gouvernement Faye. Ils seront tous liquidés par la France. Ils vont tout de suite susciter deux ou trois véreux officiers ou sous-officiers, leur donner l'argent tout de suite. Ils vont... Ils sont en train d'attaquer mon direct. Les gens n'aiment pas ça. Ils sont en train d'attaquer le direct, c'est pas grave. Donc, ils vont tout de suite... Ils vont tout de suite pousser des gens, des petits militaires crasseux, idiots, irresponsables, des vendus. Ils vont les pousser dessus. Ils sont en train de nous attaquer. Je crois qu'Alassane Ouattara, là, ils sont énervés maintenant. C'est la partie qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Le coup d'État, ils n'ont pas envie d'entendre ça. C'est pourquoi je vous demande pardon. Faites remonter cette intervention au niveau de Sonko, au niveau du président du MyFi. Faites remonter cette intervention sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que ce serait une chose facile pour Ousmane Sonko et le président Faye. Je vous jure que la France les tient à l'œil et la France les observe. La France va manipuler des jeunes officiers pour se débarrasser de ces deux hommes-là. Avant de toucher à la réforme du franc CFA, il faut d'abord dénoncer la coopération militaire avec la France. Il faut d'abord se débarrasser de la France. Il faut d'abord se débarrasser de la France. Si l'armée française reste au Sénégal et qu'ils veulent entamer, c'est ce qui a tué le président Compaoré. Je dis Compaoré est chose Sankara et les autres présidents. Les Américains sont au Sénégal. Il faut les expulser du Sénégal. Il faut expulser les Américains du Sénégal. Il faut expulser les... Comment on appelle ça? Les Américains et les Français. Il faut les expulser. Et je ne sais pas s'il y a une base de l'Union européenne au Sénégal. Il faut les faire partir. C'est après cela qu'il faut s'attaquer. Parce que moi, je souhaite d'abord que les gens règlent la question militaire avec la France et les États-Unis avant de s'attaquer à la question monétaire. Si jamais ils se croient parce qu'on a la démocratie sénégalaise, on est ceci. Mon ami, vous vous blaguez. Vous vous blaguez. Vous avez affaire à des criminels qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Si vous voulez vous attaquer à la question monétaire, au contrat, sans d'abord chercher à demander à la France de partir, et vous allez renégocier la présence française et américaine au Sénégal, avant toute chose, attaquez-vous d'abord à cela. Et ça, c'est un. Il faut demander le départ. J'insiste, il faut demander le départ de l'armée française du Sénégal. Deuxièmement, il faut demander le départ de l'armée américaine du Sénégal. Troisièmement, il faut arrêter la coopération des échanges en matière de renseignement. Il faut liquider tous les directeurs des différents renseignements qui sont là. Quand je dis liquider, c'est les renvoyer. Que ce soit le renseignement militaire, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, que ce soit au niveau du Conseil national de sécurité au Sénégal, que ce soit au niveau de la présence. Il faut renouveler la tête de ces différentes structures du renseignement au Sénégal.
Il faut commencer à récupérer d'abord la souveraineté sur le renseignement. Si vous vous amusez à vouloir faire quelque chose sans d'abord gérer le renseignement, comme tout bon Africain, la communication, c'est pas leur problème. Ils finissent de tout mélanger sans sommeil parce que la... Alors que le blanc, j'ai aimé Alain Foucault, il a fait une rubrique où il a dit l'Angleterre dépense des centaines de millions d'euros en communication. Les États-Unis dépensent des milliards de dollars en communication. La France, des centaines de millions d'euros en communication. C'est chez nous ici, là, on dort peinard. Communication même, là, le béaba même de la communication, on ne maîtrise pas. Souvent, même quand je vois les gens sur les réseaux, quand il y a quelqu'un qui commence à faire des bonnes actions, ils vont, c'est sur les réseaux. Et encore, les réseaux sont très mal exploités. Je vais profiter pour demander au Premier ministre le dialogue intermalien. Je vais demander au ministre Abdoulaye Maïga. Ils ont vu les erreurs lorsque les réseaux ont été écartés dans la campagne pour le oui au référendum. Je leur demande dans ce dialogue, dans ce processus de dialogue intermalien, les gens sont plus sur les réseaux, ils écoutent plus sur les réseaux. Et malheureusement, l'erreur au Mali, je ne sais pas quel langage on doit parler avec nos autorités maliennes pour qu'ils comprennent. Je ne sais pas quel est leur problème. Et jusqu'à présent, ils ont du mal à comprendre. Quand c'était gâté en Côte d'Ivoire, tout de suite, ils ont appelé tous les influenceurs ivoiriens à la dernière minute. Rapidement, rapidement, pour faire avancer la CAN. Quand c'était gâté, les éléphants étaient sur le point d'échouer. C'est les influenceurs qui ont joué un rôle. Même si on peut ne pas les apprécier, mais ils ont joué un rôle ce jour-là. Nous, chez nous ici, pendant qu'on est dans une situation, au lieu de s'appuyer sur les réseaux, je ne dis pas tout le monde, il y en a qui sont bons. C'est pas tout le monde, c'est pas tout ce wow wow, c'est pas ça que je dis. Vous pouvez utiliser certains dans le cadre du dialogue intermalien. Les gens dans les villages, dans les communautés, c'est pas où ils regardent. Et j'ai du mal à comprendre comment jusqu'à présent nos autorités n'arrivent pas à cerner cela. Que dans les villages, les gens s'en fichent. Il n'y a même pas ORTM là-bas. Il n'y a même pas de truc ORTM. Mais dans les villages, chacun a son petit téléphone. Et quand quelqu'un parle, nous, par exemple, quand on parle comme ça dans le village, les gens, ils mettent, avant quand je faisais un bambara, et puis tout le monde, les gars sont là. C'est batterie genre. Mais et les gens qui récupèrent après et puis font sous forme d'audio là, les gens écoutent. Mais chez nous ici, jusqu'à présent, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris l'impact de la communication. Ils n'ont pas saisi. Bon, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Nous, on ne fait qu'alerter et puis on les regarde. Alors, donc, je reviens avec le président Ousmane Sonko. Quand je dis le président, c'est le président du PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko et le président du MIFI. Faites beaucoup attention. Je vous demande de rompre d'abord ou de revisiter d'abord, de déterminer d'abord le caractère juridique et politique de la présence de l'armée française et de l'armée américaine au Sénégal. Réglez ça. Dès que vous finissez de régler ça, vous attaquez ensuite au gros dossier par rapport aux passations des marchés. Ensuite, vous allez regarder la question du franc CFA. Ce n'est pas une précipitation, le franc CFA. Prenez le temps pour regarder, analyser. Mais avant, il faut protéger vos arrières, comme on le dit dans le français courant. Il faut prendre en main vos différents services de renseignement. Il faut démettre de leurs fonctions tous les directeurs actuels à l'état de tous ceux qui ont été nommés par Macky Sall. Il faut les démettre tous de leurs fonctions. Nommer de nouveaux directeurs à ces postes stratégiques du renseignement. Commencer à négocier ou à revoir les accords entre la présence de l'armée française et de l'armée américaine au Sénégal. Et ensuite, vous allez vous attaquer. La sortie du franc CFA est une nécessité. Si des réformes courageuses sont faites pour dire que nous, on n'est pas pressé, on regarde d'abord. Sinon, on a notre monnaie qui est prête.
Et dès qu'on va lancer notre monnaie, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Et la monnaie, elle est prête. C'est les, comme l'a dit Schogel, c'est une décision politique. Les spécialistes, les techniciens sont en train de travailler pour éviter que notre monnaie, quand elle va sortir, elle devienne tout de suite une monnaie qu'on va tout de suite taxer de faible. De, et puis, on voit en Guinée, là, non? Alors, donc, nous allons continuer à soutenir. Moi, vous savez, quand je donne ces gens de conseils, c'est à eux d'apprécier. On dit ils sont novices, c'est-à-dire ils sont nouveaux dans la gestion de l'État. Mais personne n'est né avec la gestion des États. On apprend, l'expérience s'acquiert avec la pratique. Cependant, par rapport à ma petite expérience, ce que je peux souhaiter et suggérer au Sénégal, c'est l'exemple du Mali. Le Mali a pris en main d'abord son renseignement à tous les niveaux. Le Mali a opéré des changements stratégiques à tous les niveaux de nomination. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Asmi, il a la réalité du pouvoir et il travaille correctement, sans gêne. Le Burkina, ça a été la même chose. Le Niger, ça a été la même chose. C'est pourquoi, et le Sénat français, et le Sénat américain, ils se posent la question, comment nos dirigeants arrivent à communiquer et les Américains et les Européens n'arrivent plus à intercepter nos communications. Parce que nous avons basculé sur un système de communication russe et il est difficile de percer, de casser les codes à ce niveau-là. Donc, nos autorités arrivent à échanger et nos communications sont préservées. C'est pourquoi le Mali a créé la surprise à tous les niveaux, en chassant la MINUSMA, la France, la prise de Kidal, tout ce que vous connaissez. Et nous arrivons aujourd'hui à suivre et à traquer les terroristes, les neutraliser. Alors que Ousmane Sonko se pose la question, comment en un temps record le Mali a pris la main sur son renseignement? Parce que tant que le Sénégal ne comprendra pas que sa force et sa faiblesse résident dans le renseignement, il faut prendre en main le renseignement. En ce moment-là, commencer à travailler dans tous les domaines. Parce que quand vous avez un bon service de renseignement, vous avez toutes les informations dans le pays. Toutes les informations que vous voulez. Et c'est en fonction de ces informations. Si vous n'avez pas un bon service de renseignement, quelle information vous allez avoir sur le franc CFA? Quelle information vous allez avoir sur des pratiques mafieuses dans le pays? Il faut avoir un service de renseignement. Et pour avoir le service de renseignement, tous les vendus qui sont là, il faut les dégager. Il faut nommer des personnes de ressources intègres. Il faut reprendre en main le renseignement au niveau du Sénégal. Et ensuite, commencer à renégocier la présence militaire sénégalaise et américaine. Et reprendre tous les dossiers en ce qui concerne la passation des marchés, que ce soit de gré à gré ou par appel d'offres. Et ensuite, regardez le franc CFA. Nous, aujourd'hui, le franc CFA ne nous est pas profitable. Pourquoi? Parce que le franc CFA est devenu aujourd'hui une arme non seulement de domination, une arme coloniale, mais une arme encore d'oppression et de répression. On l'a vu avec le Burkina, on l'a vu avec le Niger, on l'a vu avec le Mali. Donc, on a tiré les leçons et on veut sortir pour avoir notre propre monnaie et compétir sur le marché international. Alors, si le Sénégal veut faire autant, il appartient au Sénégal. Nous ne disons pas que nous sortons, nous appelons le Sénégal. Nous ne voulons pas le Sénégal au sein de l'AES. Non, je le dis aujourd'hui, pour le moment, que le Sénégal d'abord gère ses problèmes. Parce que aujourd'hui, là, nous, dans nos pays, pour entrer dans l'AES, on ne veut pas un pays qui est occupé par une présence militaire étrangère. Tant qu'il y a une présence militaire étrangère dans ton pays, tu ne peux pas être membre de l'AES. Ça, au moins, c'est une réalité. C'est pourquoi quand les gens disent « Ah, le Togo, le Sénégal », j'ai dit « Mais est-ce que vous-même vous connaissez ?» Il y a les conditions d'adhésion. Et les conditions d'adhésion, c'est la souveraineté pleine et entière. Est-ce qu'il y a une base militaire au Mali? Est-ce qu'il y a une base militaire étrangère au Mali, au Tchad et Safrolet? Au Niger, au Burkina? Non. Non. S'il y a une base militaire qui doit être installée un jour dans le Sahel, ce sera sur l'accord des trois pays qui seront d'accord. Donc pour le moment, si tu veux faire partie de l'AES,
il ne doit avoir aucune base militaire d'un État étranger sur ton sol. Si tel est le cas, tu ne peux pas rentrer au sein de l'AS. Donc, c'est pourquoi je dis que le Sénégal ne peut pas. Et on n'est pas prêt à accepter le Sénégal parce que le Sénégal, il faut que le Sénégal revoie d'abord sa coopération militaire avec. Parce que le Niger a réitéré, ce sera le mot de la fin. Partagez, je vous en prie. Je sais qu'on a été sérieusement attaqué. Vous pouvez retrouver l'intervention de Laurent Gbagbo un peu plus tard. Ici, par exemple, quand vous regardez, je vais vous amener ici rapidement. Le Niger, où est le Niger là? Je vais vous faire écouter. Voilà. Le Niger a réitéré encore sa demande. Communiqué. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre. Bon, ici, le Niger réitère encore. Et cette fois-ci, le Niger allait beaucoup plus loin. Le Niger a rompu toute forme de relation, de coopération militaire avec les États-Unis. Donc, plus rien. Non, on veut pas. Alors, aujourd'hui, c'est un peu ça. Nous sommes en train de travailler dans une forme de souveraineté. Et notre souveraineté, elle est pleine et entière. On ne veut pas une souveraineté à moitié, une souveraineté à moitié. C'est-à-dire, vous avez une souveraineté sécuritaire, politique, administrative, territoriale, mais vous n'avez pas une sécurité monétaire. Il y a un problème, bien sûr, le problème. Alors, aujourd'hui, lorsque le Sénégal va commencer les négociations sur le franc CFA, vous croyez qu'Alassane Ouattara va rester en retrait? Et tout le souhait d'Alassane Ouattara, c'est que le Sénégal commence les négociations sur le franc CFA pour que lui, sa quatrième candidature soit adoubée par Macron et que lui, il vienne, il jette les bâtons dans les roues du président Faye pour l'empêcher de procéder aux réformes. Et ils vont utiliser, certainement, ils vont utiliser tous les moyens pour faire en sorte que le président Faye et son premier ministre, peut-être même, se retrouvent à couteau tiré. Il y a une possibilité. Mais à ce niveau-là, moi, je n'ai pas peur. Il appartient à Faye. Parce que peut-être qu'on ne connaît pas aussi ça, cela en l'homme. L'homme, il est déterminé, il est engagé, il est un homme de principe. Il est un homme de principe et je fais absolument confiance. Je sais qu'au moment venu, les gens vont s'activer, ils vont les mensonges, les essayer de manipuler. Mais je crois qu'il va rester serein. Et puis c'est le Sénégal qui gagne. Dans tous les cas, s'il réussit cette mission noble, c'est le Sénégal. Rien n'est impossible. Sonko a dit quelque chose et le président Faye a repris. Il dit, les élites africaines sont complexées. Eux, ils sont décomplexés. Ça veut dire beaucoup de choses. J'ai l'habitude de vous dire, nos responsables, pas chez nous ici au Mali, pas dans l'AES, mais que très souvent, on a des responsables africains zélés et complexés. Devant le petit blanc, ils ont peur. Devant le petit blanc, ils sont complexés, ils ont honte, ils sont gênés. Ils se font tout petits. C'est ça qui est là. Et ils disent qu'ils ne sont pas complexés, ils sont décomplexés. Et ils vont déconstruire tout ce qui n'est pas dans l'intérêt du peuple sénégalais. Alors, on se retrouvera, Inch'Allah, avec le produit d'Amsa. Je vous en prie, je sais que beaucoup de gens sont impatients pour recevoir leurs produits. Je voudrais aussi vous dire que comme nous rentrons dans la dernière phase du mois de jeûne avec un point de chute, la fête pour le Ramadan, soyez un peu tolérants. En cette période de fête, généralement, les livraisons sont un peu lentes. Alors, les dernières commandes, j'ai fait moi-même exprès chez moi. J'ai évité de procéder à la livraison, les dernières commandes, je veux dire, pour éviter que vos produits traînent entre les mains des services concernés et puis mettre le produit en contact avec un environnement hostile au regard du fait que c'est un produit que vous allez consommer, c'est un risque que je n'ai pas voulu prendre. Donc j'ai voulu attendre après la fête, procéder aux différentes livraisons pour que vous puissiez avoir vos produits sereinement. Je n'ai pas envie de donner vos produits et puis ça va être bloqué quelque part, ça va traîner, et puis quelque chose que vous allez consommer sera multiple. Bon, je n'ai pas voulu faire ça. Donc, j'ai pris sur moi la responsabilité de les préserver. Juste après, je vais procéder aux différentes livraisons pour que vous puissiez avoir vos différents produits et puis suivre les posologies qui s'ensuivent. Okay? Maintenant, pour les nouvelles commandes qui ne sont pas encore ceux qui ont aussi pris des informations,
Aujourd'hui encore, j'ai été confronté à cette dure réalité. Les gens viennent vers moi, mais ils ne viennent pas de façon honnête et sincère. Je vous en prie, quand vous venez vers nous, venez avec la certitude que vous connaissez exactement ce que vous voulez. Vous avez un besoin précis. Vous nous exposez vos besoins précis. Nous, on vous donne les orientations précises. Parce que maintenant, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque et dit, il faut proposer, et je trouve qu'il a raison, il faut proposer à ceux qui sont intéressés, même si c'est en Afrique, les livraisons par DHL. Qu'il faut proposer, parce qu'avant, les propositions qu'on faisait, c'était les livraisons par voie routière. Donc, désormais, on va vous proposer les trois options. OK? DHL standard, DHL express et puis livraison routière, hein, terrestre, c'est-à-dire par la voie routière, c'est tout. On reste en contact, le dame ça, il est de bonne qualité, surtout pour ce mois de juin là, hein, qui va finir. Vous aurez beaucoup besoin du dame ça pour récupérer. Vous aurez besoin du dame ça pour récupérer, hein, parce que ça a été, pour certaines personnes, ça a été difficile, pour d'autres, ça n'a pas été, mais c'est Dieu qui fait grâce. Donc, on est ensemble. Je souhaite à tous les musulmans du monde, aux uns et aux autres, une très bonne fête de Ramadan. Et je souhaite aussi à ceux qui sont en train de jeûner, ceux qui n'ont pas pu, que Dieu facilite les années à venir. Alors je souhaite pour les uns et les autres une très bonne fin de mois de jeûne et que les prières, les bénédictions soient agréées par l'Éternel Allah. Que ceux qui nous ont quittés pendant ce mois saint, qu'ils reposent en paix. Ceux qui sont encore en état de santé dégradée, et Dieu leur accorde sa faveur et qu'ils puissent retrouver le rétablissement prompt et rapide de leur, n'est-ce pas, de leur état de santé. Donc, on garde le contact. Ce n'est qu'un au revoir. C'est pas un adieu, Inch'Allah. Ouais. C'est je n'ai que demain. Demain, le temps. Vous connaissez le champion Gaussou aussi, je ne lui consacre pas demain, c'est compliqué. Donc, et puis, on garde le contact. Merci infiniment et je voudrais terminer. Il y a une de nos followers là qui vient de me faire un geste, elle n'est pas seule, elles sont deux aujourd'hui. Il y a deux dames, c'est curieux, ce sont les dames seulement qui m'ont soutenu. Elles m'ont fait un geste éminemment important. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à ces dames-là. Infiniment merci que le Seigneur Allah vous le rende au centuple. Merci pour le geste, je l'ai apprécié à sa juste valeur. Merci infiniment. On garde le contact, Inch'Allah, que Dieu nous pardonne, qu'il nous guide, qu'il nous oriente. Vive les états de l'AES, vive le Sénégal, pour que vive le panafricanisme vrai et véritable, et que chaque Africain puisse se retrouver dans ce nouvel ordre mondial, dans la plénitude de notre souveraineté véritablement retrouvée. Santé, prospérité, longévité, bonheur à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.